Salut tout le monde, ici Zelot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo unboxing et test du nouveau produit qu'a sorti 8BitDo en France. Il s'agit donc bien sûr du NES 30 Arcade Stick. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'un stick arcade 8 boutons, hein, directement intégré sur le pad, compatible avec divers supports tels que Android, Windows, macOS, même Switch avec la dernière mise à jour. Mais moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est sa compatibilité avec la Recalbox. Alors, au niveau de la boîte, vous avez un petit design assez sympathique qui rappelle légèrement la NES, hein, donc, ce qui est logique au niveau du nom, bien sûr. Sur le dessus, hop, voilà. Là, vous avez donc une petite anse qui vous permet donc de vous trimballer avec ce joli boîtier. Alors, sur la tranche de celui-ci, quelques informations non indispensables, donc qui rappellent que c'est un stick arcade USB et Bluetooth. Et à l'arrière, enfin, vous pouvez voir la présentation du stick d'une façon schématique, avec sur le côté un petit rappel des différents périphériques compatibles. Donc voilà, au niveau de cette boîte, rien de très spécial, hein, si ce n'est que bon, l'anse est plutôt pratique. Et dedans, vous voyez rien. Vous voyez rien parce que j'ai déjà tout simplement sorti le stick que vous allez voir dans un instant. C'était juste pour vous montrer que, en fait, il est très bien protégé. Donc au niveau du transport, ça n'y a pas de souci. Avec donc cette mousse épaisse qui amortit bien les chocs. À savoir aussi que, eh bien, ce stick est livré avec une notice que bien sûr je n'ai pas lue. Hein. Et quelque chose déjà de plus important, c'est le chargeur. Le chargeur qui, contrairement aux autres produits de la marque, est double USB mâle. Je m'explique. Dans le stick que vous verrez dans un instant, vous aurez donc une prise USB femelle que vous pourrez donc recharger avec votre PC. Et ce fil. C'est en effet un petit peu dommage, certains l'ont déjà souligné, c'est que ce fil est un format un petit peu spécial, dans le sens où c'est USB mâle, USB mâle. Éventuellement, des fois, vous aurez des rallonges chez vous, peut-être USB, mais pas un câble double mâle. Le problème donc est que ce câble est le seul fil que vous pourrez utiliser présentement pour recharger votre stick, ce qui est un petit peu dommage, à mon sens, d'avoir choisi ceci. Et nous revoici avec la présentation du stick. Le voilà, le fameux stick qu'on attend depuis quelques mois maintenant, puisque eh bien, celui-ci était disponible vers la fin de l'été en Amérique, donc normalement fin août, et nous avons dû attendre la toute fin octobre afin de disposer de ce fameux stick arcade en France. Alors, présentation du stick, oui, rapidement, sur la tranche avant, qu'est-ce que vous avez? Et bien vous avez des petites références si le focus veut bien se faire. Tac. Voilà, des petites références 8BitDo qui vous précisent donc que c'est donc 8BitDo Arcade Stick avec les petites infos qui vont bien, mais bon, rien de spécial là-dessus. Qu'est-ce que vous avez sur le côté? Rien du tout, même pas une petite trappe. Ça aurait été sympa de mettre une trappe pour ranger les fils, notamment, comme je vous ai dit, ce fameux fil que vous n'avez sans doute pas en double chez vous. Derrière, qu'est-ce que vous aurez? Et bien sûr, le port afin de recharger votre stick, ainsi qu'une petite excroissance un petit peu texture gomme. Et bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Bluetooth, hein, puisque la carte Bluetooth se trouve juste derrière afin de connecter sans fil votre stick directement eh bien, à votre Switch ou à tout appareil Bluetooth compatible. Sur l'autre côté, il n'y a rien du tout. Et on revient hop, à la position initiale. Alors, comme vous avez pu le voir déjà sur le packaging extérieur, c'est un stick, pardon, 8 boutons, donc avec en haut, vous retrouverez le fameux Start, le bouton Select, le bouton pour faire l'appairage sans fil, le bouton turbo, bouton D-pad ou XY et Xinput ou D-input avec le petit logo à côté 8BitDo. Donc la finition, vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau donc du plastique utilisé, c'est pas mal, hein, c'est tout à fait correct. Ah oui, j'ai oublié, bien sûr, vous avez une aile de notification ici, quand même important de le notifier, qui vous aidera donc à synchroniser votre manette.
Donc voilà, 8 boutons, hein, ce qui est assez étrange au niveau donc de la disposition de ceux-ci pour ceux qui utiliseront bien, ce stick pour jouer sur la Switch, c'est que contrairement aux autres manettes Nintendo qui a le A ici et le B là, là ils ont tout interverti. En fait, au lieu d'avoir une disposition des boutons comme sur une manette Nintendo classique, là vous aurez une disposition plus proche en fait de ce que vous aurez sur une manette Xbox 360 par exemple. Ce qui est assez étonnant au vu du design choisi, hein, qui rappelle la NES. Et au lieu d'utiliser des boutons qui ont une disposition propre à la NES, ou aux autres machines de Nintendo bien sûr, eh ben, ils ont utilisé une disposition qui se rapproche d'une Xbox. Donc j'ai pas trop compris non plus. Bon, admettons, c'est une chose. Ah bon, notre deuxième point, c'est que les boutons peuvent vous paraître roses à la caméra. Toutefois, je vous confirme, ils sont bien bien rouges. Hein. Dès que je mets un petit peu d'ombre, on verra qu'ils sont bien rouges. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus, même si la caméra, ils peuvent ressortir un petit peu rosés. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la qualité des boutons, je vous laisse entendre. Bon, bien sûr, c'est pas des boutons silencieux, fallait s'y attendre pour le prix. Hein, mais ce n'est pas non plus des boutons Sanwa officiels. C'est quelque chose que certains vont pouvoir regretter. Hein, moi, j'en ai commandé, et donc je les installerai dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment ça rend. Mais pour l'instant, je ne les ai pas faits. Donc ceci est le stick tel que vous l'aurez sorti de la boîte. Donc également, hop, le petit stick. Avec son petit cliquetis eh bien, bien traditionnel. Je vous avoue que honnêtement, bon, la qualité du stick est pas fantastique. Néanmoins, pour des joueurs casus, ça fera largement l'affaire. Hein, ça, y a pas de souci là-dessus. C'est juste que si vraiment vous voulez eh bien, vous faire plaisir, vous pouvez très bien upgrade assez facilement ce stick arcade. Mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Alors nous allons bientôt passer eh bien, à un petit test, en l'occurrence sur Street Fighter 3. Alors pour ce test, eh bien, j'ai utilisé Miracle-Box en version 4.1. Au niveau de la synchronisation de la manette, ça s'est fait de façon très très simple, hein, puisque en l'occurrence en appuyant sur le bouton pair, eh bien, la manette se met en mode appairage, hein, tout simplement. La LED de notification eh bien, scintille rapidement et vous pourrez très rapidement donc synchroniser avec votre Recalbox ce stick arcade sans aucun problème. De même, lors du test, j'ai pas discerné de lag au niveau du gameplay, donc là encore, c'est quelque chose de rassurant. Hein, donc depuis la dernière mise à jour, aucun problème de lag là-dessus. Au niveau des boutons, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu bruyants, là encore, même des Sanwa officiels, hein, je ne parle pas des Sanwa silencieux, hein, mais ne serait-ce que des officiels, sont quand même moins brillants que ceux présents d'origine avec le stick. Donc voilà, de même au niveau de la qualité donc du stick en lui-même, hein, j'aurais préféré peut-être quelque chose d'un petit peu plus guidé, afin de faciliter les adduquettes, notamment là je galère un petit peu à faire mes moves. Bon, je suis loin d'être un pro, hein, mais c'est tout simplement pour guider au mieux les mouvements. Ah bon, à part cela, bon, j'ai pas discerné de problème particulier. Hein, l'avantage de la Recalbox, c'est que vous pouvez synchroniser comme vous voulez les boutons de votre stick. Et ça, c'est quand même très très bien au vu de ce que je vous ai énoncé précédemment au niveau donc de l'inversion des boutons A et B sur Recalbox. Donc, vous n'aurez pas du tout ce problème. Enfin, peut-être parler de confort rapidement. C'est quelque chose sur lequel je suis un petit peu déçu, c'est qu'au niveau donc du pose-poignet gauche, le bord sur le côté bord du stick, c'est un petit peu petit et donc ça risque d'être un petit peu gênant pour les longues phases de gameplay. Mais sur votre main droite, du coup, là, il n'y aura pas de souci parce qu'il y a bien de la place. Enfin, je voudrais rappeler donc le prix de ce stick, puisque moi je l'ai précommandé sur Amazon pour 70 euros. Ce qui en fait un stick quand même assez peu cher pour le marché, surtout en Bluetooth. C'est pour ça que derrière moi j'ai souhaité le modder. Là encore, je ferai ça dans une prochaine vidéo afin d'améliorer les performances de celui-ci.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, donc rassuré en prévision de votre achat. Allez, bon jeu, c'était Zalote, à plus!